Yo les gens, on se retrouve aujourd'hui sur FIFA 17, ou plus précisément sur FUT 17. Et il n'y a pas de cam aujourd'hui, tout simplement parce que ma cam, bah, il n'y a plus de batterie. Il n'y a plus de batterie, mon gars, et j'ai la flemme de la recharger, tout simplement parce que j'ai pas le temps. Donc là, je vous fais ce commentary assez en mode, comment dire, vite fait, tu vois. Bref, on s'en bat les couilles. Et aujourd'hui, les mecs, comme vous l'avez vu, je vais participer à FUT Champions. C'est incroyable. Pour la petite histoire, ça faisait une semaine que j'ai pas joué à FIFA parce que le jeu il me prend la tête tout simplement et que j'arrive pas à jouer. Je dis les choses, moi, y a pas de souci. je suis nul, mais bref. Ça faisait une semaine que j'ai pas joué. Je me suis dit, bon, allez, vas-y, j'ai gagné un jeton de draft. Je vais l'utiliser, on va voir ça. Pareil, en tout, j'ai gagné 5 jetons de draft. J'ai perdu toutes mes drafts. J'ai jamais dépassé le deuxième tour, en fait. Au deuxième match, je perds direct. Mais bref. Donc là, pareil, la même histoire. Premier match, je le gagne tranquillement. Deuxième match, je me fais défoncer. Mais alors, avec des lags et des buts de merde. Mais bon, j'ai l'habitude, donc je vais pas me plaindre. C'est comme ça. Et je me dis, bon, allez, vas-y. Je vais tenter la ligue, la petite Coupe Gold pour participer à la Ligue Weekend qui est FUT Champions. De toute façon, j'ai rien à perdre. Donc, vas-y, je tente. Et le truc, c'est que j'avais pas fait attention. En fait, j'ai eu la mise à jour de The Last of Us. Qui permet que le jeu soit dispo sur PS4 Pro, tout ça. Hein. Enfin, bref, on s'en fout, c'est pas le sujet. Mais bref, il était en téléchargement. Donc, déjà, moi, j'ai une connexion pourrie. Et j'ai pas fait attention que la mise à jour de The Last of Us était en route. Donc, ça fait que j'avais une connexion. Mais dégueulasse. Et ma copine, elle était en même temps sur internet, donc alors, je vous dis pas, c'était encore pire. Ça laguait, mais de ouf. Et le pire, c'est qu'en laguant comme ça, je galérais, hein, franchement, c'était limite injouable. Et le truc, c'est que j'ai gagné, les gars. J'ai gagné mes 4 matchs. J'étais jusqu'en finale et je me suis dit, vas-y, il faut pas que je perde la finale. Et j'ai gagné la finale et c'est n'importe quoi, je comprendrai jamais ce jeu. Quand tu lagues pas et que tu fais bien le truc, tu prends ton temps, tu construis tes occasions, tu te prends des attaques fulgurantes et tu fermes ta gueule et tu te prends un 2-0 ou un 1-0 de derrière les fagots, tu vois, t'as beau tirer 15 fois et voilà, tu marques pas. Et là, en laguant comme je sais pas quoi, j'ai fait mes matchs, je crois que j'étais à minimum 10 tirs par match avec minimum 7 cadrés, alors que d'habitude je cadre que dalle, tout va à côté, tout ça. Je sais pas ce qui s'est passé. J'avais peut-être les dieux de FIFA qui étaient juste derrière moi en train de dire « Bon, allez, vas-y, laisse-le gagner, ce connard. » De toute façon, il va se faire défoncer en FUT Champions, y'a pas de souci. Et donc, bref, FUT Champions, pour ceux qui ne savent pas, mais bon, vous le savez, je pense, c'est 40 matchs en 3 jours, je crois, en 2 jours, 3 jours. Et il faut, en gros, gagner le plus de matchs possible sur les 40. Donc, 40 matchs, faites le calcul. On va dire, admettons, un match, c'est 12 minutes. Plus le temps fictif additionnel, allez, on va dire 14 minutes. Si jamais tu gagnes pas ton match, t'as la prolongation si t'es en match nul. Donc, vous voyez, ça cumule. Donc, ça peut faire des matchs interminables, tout simplement. Et bon, moi, je sais très bien. Enfin, franchement, si je vous fais les 40 matchs, c'est un truc de fou. Mais clairement, je pense pas. De toute façon, j'ai des trucs prévus pour le week-end, donc j'aurai pas le temps. En plus, je vais normalement déménager. Enfin non, je vais déménager, ce qui va être cool, puisqu'en plus, je vais avoir la fibre normalement. Donc attention, les gars, je vais avoir la fibre. Il va y avoir des lives et tout, mais bref, on s'en fout. Mais non, mais ouais, voilà. Et comme je vais commencer les cartons, tout le bordel, après, j'ai des trucs de prévu. Je vais essayer, je me suis dit, je vais essayer de me faire, on va dire, 20 matchs. Si j'arrive à faire la moitié, franchement, je pense que c'est déjà pas mal. Mais on va essayer de faire le plus possible, si j'ai le temps, tout simplement. Et puis voilà, donc je vais arrêter de parler. Normalement, derrière, vous avez le gameplay, parce qu'en fait là j'ai pas de gameplay devant les yeux. Je vous ai fait un condensé des 4 matchs pour que vous voyez un petit peu ce qui s'est passé lors de cette petite coupe pour se qualifier. Et puis voilà, donc j'espère que ça va bien se passer pour moi. Dites-moi s'il vous plaît en commentaire votre bilan en FUT Champions, si vous vous qualifiez facilement, si vous êtes balèze tout simplement. Mais pour ceux qui jouent, qui font le FUT Champions, dites-moi un petit peu votre ratio. Puis savoir un petit peu comment ça joue, parce que moi c'est la première fois que je vais y jouer. Apparemment ça joue sa vie, ça joue la pute. Donc je vais découvrir ça, un nouveau monde de FIFA, hein. Déjà que le FIFA là il casse bien les couilles. Mais bref, on va découvrir ça. Je sais pas, je pense pas que je vous ferai ça en live, c'est pas possible. Je pense que j'enregistrerai peut-être les matchs et je vous ferai un condensé ou je sais pas. Ou alors on en parlera juste sur un gameplay tranquille. Mais bref, dites-moi un petit peu votre avis là-dessus. Moi je vous attends dans les commentaires et puis c'est parti les gars. Champions. Allez, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Allez, ciao. Peace.